à ce niveau, il faudrait que l'autorité Nabisso, s'ils veulent que les gens, la population en général, basent Wabango au sérieux, ils doivent commencer par se prendre eux-mêmes au sérieux. En fait, moi, je ne comprends même pas à quel moment nous sommes passés de la deuxième à la troisième vague. En fait, je ne comprends rien. Parce que nous avons des scientifiques dans ces pays. Oh, il faut passer à la moussala, il faut dire que non, première vague est là qui peut parce que. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres et puis il y a des complications. Tout ça, voilà. Tout ça, on ne sait pas. Parce que si on a un circuit, on collaborera du domaine pour expliquer certaines choses, tu ne seras pas informé. Donc, tout ça, surtout, il y a des rumeurs. Troisième vague, après mon ministre de la Santé, il y a les Kani, voilà. Ou bien le docteur Mouyembe, il y a Lobby, à Lobby, il y a Yé. Bon, il y a Jérôme Mouniang. Donc, ce cas-là, on dirait, comme le roi album. Voilà. Donc, album, troisième vague. Allez, et puis, troisième volume. Troisième volume, quoi, Bini. Voilà. Mouniang, il y a Yé qui pour n'a pas sa corona. Il va détourner, il y a comment ce qui n'a pas de compétence. Il n'y a pas de Mouyembe. Donc, bébé banana mouyembe, allez, yépe, mouniangi, azope kop, n'a commencé à maramna. Au début, il y a vague, il y a coronavirus, il y a qui te dit que les symptômes sont les la toux, voilà. Oh, fièvre. Le lobe de Romo, c'est là, oh, asali malaise, à koufi, oh, ils ont corona. Donc, corona, ils ont le soukosou kosouté. Alors, pourquoi vous avez dit que vous avez caché? Voilà. Bon, on ne comprend plus rien. Et puis le gars à Zelaka, son album à Sikéyi, ce qu'au troisième volume, voilà. Il y a Coroné. Il faut pas consulter sous. Tu comment il y a Mouniang, il n'y a pas de vocal. Voilà. A tchepe vocal. Mou, il n'y a pas de vocal. Donc, ça, c'est blaguer avec la population. Ce sont des autorités qui ne se prennent pas au sérieux. Comment est-ce que vous voulez que la population se prenne au sérieux? L'Ikambouya couvre-feu, c'était pour la. Ma couvre-feu, c'est pour la Corona. Il y a bien ce couvre-feu, comment? La journée, on est entassé, tous où est la transport, voilà. Tous finana n'a pas ouvert par ci par là, il y a aucune mesure. Donc tous là à 21h, 22h, des heures on a coroné, et puis ça, l'autorité n'a pas su la santé que il y a bima à la mouka à 22h. Oh, bazo le baquet troisième vague, elles sont plus virulentes, elles sont plus graves et tout ça. Mais quelles sont les mesures au bino bossi bozoa qui déjà avant la deuxième vague est qui sérieuse et puis bah mesure nino bozoa bobi que bah regroupement il y a plus de 20 personnes et ça la malice sous mais na école vous allez laisser plus de 20 élèves à l'église, na dans église, les églises n'en parlons même pas n'en parlons même pas. En fait, ça, c'est pas sérieux du tout. Donc, laissez carrément les gens libres parce que c'est pas sérieux. Soit changez vos méthodes, changez votre manière de travailler, de faire les choses, de présenter la chose. Parce que, oh, il est commis aventure, et commis vraiment bas. Toujours comprendre. Tout ce qu'on a pas plus tard qu'hier. Hier, voilà. Macron, le président français a été giflé. Oh, il y a aventure, hein. Voilà. Giflé bien. Maman Nambata. Oh. Bah bêtise pourquoi? Cela veut dire que c'est une personne mutoko akoki kozwa audace et rosa de lokwana, c'est une personne au hasard mécontente à makambu moko bozo sepela na ngote yo Macron azo salaté. La pétrolière, oye bake, et yena idéologie à sika donc, sans qui papa don maman avali kopela, awa na kate bakini, komi tu misate a koti naga mbongo na kini, kaka sa ki obengi, na limero oyo, osa mobimba, de koyo na kini, a kozwa se de santé, gratuitement. Na clinique misunga, ba jeli bino wifi ya opele, surtout ke babali na internet, o debi, donc sans ki te kona yo avali kopela, o lingi oye ba, état de santé na ye,
okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama bomi santé. Na bomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswa na mitolite misunga yebake kuna na ndongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na kokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital. Bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misunga yo ezonga lokola na commencement. Na klinike misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batraitaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga santé c'est gagné. Clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate. Voici un nouveau numéro de la Grande Causerie. À toutes les personnes, à vous qui nous suivez partout à travers le monde, nous sommes Nouvelle Tendance Télévision. Bienvenue dans votre émission, la Grande Causerie. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux de savoir que notre émission n'est pas seulement suivie à la communauté congolaise, mais cette émission est vraiment très bien accueillie dans toutes les communautés. Merci à toutes les communautés, qui vont suivre cette émission. Merci à la communauté sénégalaise, très surtout message Nabino, très surtout mais communauté ivoirienne, congolaise, malienne, vous tous qui vont suivre cette émission. Vous aimez vraiment la personne que nous allons recevoir aujourd'hui parce qu'à chaque fois que nous la recevons dans notre plateau, vous ne cessez pas de nous dire qu'il faut toujours parler français, il faut toujours être bilingue. Et aujourd'hui, on va faire l'effort, il y a qu'on a vraiment bilingue, bien que vous compreniez aussi les Lingala, bien que Lingala, c'est un peu compliqué, mais hein, vous les comprenez. Aujourd'hui, nous allons recevoir comme invité Pamela qui est, en dehors d'être invité, il est notre partenaire de cette émission, parce qu'à chaque fois que nous avons besoin d'elle, Ayak a toujours qu'on répondre favorablement à l'invitation d'Abisho. Alors aujourd'hui nous allons parler par rapport à l'actualité Zali Koregne en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui même ce matin avant de sortir à la maison, on vient de nous dire et nous venons même de suivre à une chaîne de radio en place que il y a mésentente entre le parti politique de Martin Fayulu, Pena Bandeka, Idepes, Prince Epenge, Alain Bolodjoa et une autre dame, Yalamouka Bazala, qui vraiment menacé, agressé la nuit d'hier, 19h, après avoir aussi sa émission, mon cousin, qui bon, on a pigeon, militant, Idepes, menacé, on ne sait pas pourquoi, et tout ça, la caille fort, si c'est quoi les problèmes. Et très surtout, les Kambo, ils allaient préoccuper tout Congolais qui se trouve partout à travers le monde. Ma kamouya ma carte visa oyo. Ma pe fakina zatan la carte visa. Parce que franchement, ba montant, on a tous yo kake. Ba tu ba zwa ka yango, kaka boye na bola fa, kaka boye ba zwa ka montant, on a. Ba biso souki na zwi montant, on a son a s'organise bien, c'est que na koufa sou pauvreté, parce que ya ba montant mon boye. Yali panangou bate. Nous allons parler de ça, et nous allons parler aussi, aujourd'hui nous allons parler, parce que tokomi komo na ekomi, c'est du trop. Il y a un pasteur, il y a un prophète, Makamwana est commis vraiment, c'est dit trop. Et aujourd'hui, si vous êtes Congolais, il faut que vous ayez un acte de vous aller comme ça. Nini, oh, l'église est même le nom de la Congo, qui est l'apport de l'église en RDC. Nini, oh, il y a un pasteur, un prophète, un docteur, un tout à l'heure, il y a un nom comme apport. Na mboka na biso Congo parce que bango ne na ba église na bango bazalaka moins na ba te belé baza pena baza batu baza mieux placé ya koloba ke no to banda ko sala mabeto tika bolamu pe la plupart ya ba pe ba détournera na ba gouvernement ba uta kana ba église baza ka bandimia ba catholique bandimia ba réveil bandimi don ba uta ka mingi kana ba catholique baza na ba pasteur na bango ba ke na repesa ba bonza ba ke na repesa ba dim par après avoir ko zo mbongo na na kesa l'état ba ke ko pesa yango ba ma bonze et puis ma team n'a pas pasteur n'a bango. Et en dehors de cela, nous allons encore parler. Vous allez ma grande ligne auto-développer, inviter Nabisho Pamela. Et en dehors de ça, nous allons aussi parler ma Kamboya Congolité. Congolité, est-ce que moi, comme je suis là, je vous parle, je suis Congolais de père et de mère. Alors, ceux qui n'ont pas Congolais de père et de mère, est-ce qu'un jour, on a eu envisagé que nous sommes la présidente de la République? Voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes, encore une fois, qui vont suivre cette émission du début à la fin. Il faut aussi maximiser
vos partages, maximiser vos likes, et ça là vraiment bien. Merci à l'équipe, merci à Gédéon Loa qui est derrière la caméra, merci à Jordan Panzou qui est en train de réaliser l'émission, merci à la grande équipe des Nouvelles Tendances Télévision, mon invité déjà avec moi, Pamela, bonjour. Bonjour Donat Kondé. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Ça fait longtemps. Hein? Oui, je suis là. Ben voilà, très bien habillé aussi. Merci, toi aussi. C'est Pélipé, non, senti qu'il y a un boubou dans l'Indé Afrique. Oui. Voilà, Pamela, comme je viens de le dire, ce matin même avant de sortir à la maison, nous venons de suivre une émission na Radio Top Congo qui est non... Bah, militant à IDPS, bah, aussi comme énoncé bon, bah, tu as la Mouka, Prince Pengue, Alain Bolodjoana, Maman Moko, bah, ça là qu'on a pour les quatre personnes, et bah, militant à IDPS, bah, c'est la Bango Bélé Libanda, et bah, si c'est monsieur, bah, dit un verre, bah, il va menacer Bango grave, parce que bah, critique à qui Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Oui, bah, ils ont vraiment pas si, hein, ils ont vraiment pas si, parce que ils ont la libosauté, bah, acte à Boyez à la poser par bah, militants à UDPS. Et voilà. Et très souvent, ils ont partout, hein, même pas physiquement, menacé Bandeko, mais même verbalement et tout ça, bah, militants à UDPS, n'a évité ceux qui. Ils ont vraiment moussala ou essengeli bango basala parce que ce sont les mêmes personnes. Nazoeba, na gouvernement bien la République ou tukoleka ou Joseph Kabila. Kabila c'était les mêmes personnes qui ne se gênaient pas à kofinga Joseph Kabila. Voilà. Qui ne se gênaient pas à koloba n'importe quoi. N'importe quoi, il n'est pas congolais. Gouvernement, voilà. Aza rwandais, aza ceci, aza cela. J'ai comme l'impression que eux ils se disent que bango bazana droit ya ko finga batou ya ko sala n'importe quoi ya ko sala ba sala ba marche ya ndenge na ndenge ba finga ba sala o balini. Lelo est comme il tourne bango bazana pouvoir, les autres n'ont pas le droit de le critiquer. Moi je ne comprends pas cela. Esa dictature nino to comme ko mona lelo na ba partisans ya UDPS. Voilà. Moi je pense que ba autorité parce que ngana lobela mingi ba autorité parce que très souvent to les kaka dans les kaka wala na 10e rue au monde bango presque tous les jours. Voilà, bazana kaka. Voilà. Bakambi oyo ya ba partisan wana ya UDPS. Message dino bo pesa ka pona ko conscientiser pe ba membre na bino ya UDPS parce que oyo est commis désordre, comme dit trop. Ah, est commis vraiment trop papa. Tozo comprendre tes exemples nini oyo bango ba ko pesa batu. Ezalaki que Kabila mutazalaki mabe. Voilà. Ba membre gouvernement ya Kabila nyo so wana bazalaki batu mabe, bazalaki bato bazo bebi samboka. Mais est-ce que bango moko na comportement bazo ko afficher? Quel est ce chef qui n'a pas le droit d'être critiqué? Voilà. Tout tu comme on a pas plus tard qu'hier. Hier, voilà. Macron, le président français a été giflé. Oh, il y a pas aventureté. Hein? Voilà. Giflé bien. Benin, maman Nambata. Oh. Bah bêtise, pourquoi? Cela veut dire que c'est une personne, mutoko akoki kozwa audace ko sale lokwana, c'est une personne au azam mécontent na makambu moko bozo sepela na ngote o Macron azo salaté. Voilà. Il faut Macron à sala. Cela veut dire que partout, un chef, il est toujours critiqué. Tout le monde, il n'y a pas que Macron. Bush, Bamba est soulier. Bamba est soulier, voilà. Voilà. En plein air. En plein air, Bamba est soulier. Le président est belé, subissé. Comment est-ce que, Wakara, la République démocratique du Congo, le président Fachi doit être intouchable? Voilà. On n'a pas le droit de le critiquer. Critiquer. On n'a pas le droit de remettre. Voilà, Yerosal Eba remarque. On n'a pas le droit de remettre en cause. Démarche politique naïe ou bien vision politique naïe, ça n'existe pas. Donc moi je pense que bah, responsable il y a UDPS, il faut bah, conscientiser bah, membre na bango parce que bah, yo kaka bango tout le temps, chaque fois bah, zalara kuna na 10e rue ko genero salara ba réunion, voilà. Bah, responsable là, il faut bah, conscientiser bah, membre na bango que un chef, il est toujours critiqué. Donc il faut bah, accepter yango parce que bango bah, salaki yango pe na ba chef yakala. Tout le monde même depuis l'époque à Mobutu, comment est-ce que le feu le sphinx Tshisekedi wa Mulumba. Les seuls politiciens à l'époque, on était des enfants, mais nos parents, c'est les seuls politiciens qu'on maîtrisait. Voilà. Donc, il montrait qu'il n'avait aucun respect vis-à-vis de Mobutu. Il a droit à ça. Mais comment est-ce que les gens qui ont le pouvoir ont droit à ça, la même chose, ou carrément qu'on critiquait simplement et les gens qui ont le pouvoir? Oui, mais papa, tu sais qu'il a appelé le président Kabila. Voilà. Mais il était le président de la République. Et puis on connaît, ce n'est pas pour qu'on indexer les balouba, mais on sait qu'un moulouba, quand il t'insulte, voilà. Il y a pas choquant. Choquant. Ils savent insulter mal. Voilà. Ça va te faire très mal. Mais bango siko le comme il tourne bango bazana bokondi, les autres n'ont pas le droit de les critiquer. Ça c'est et le quoi, en tout cas il faut ba changer ba manière na bango, ba changer comportement na bango. Et comment les journalistes au leki na télévision
aux ans à droite et la remarque que Morobe a chef de l'État. Voilà, c'est pas normal. A commis corrompu. Bah tu la liste noire. A commis clic et journaliste Morobe bino voilà. Moi-même qui te parle, je suis aussi parmi les personnes qui sont menacées par membres de l'UDPS. Voilà. Chaque fois que ça, moi, analyse mon page sur Facebook, les gens de l'UDPS viennent là pour te dire, ah yo zela koutou, yo koutou, ebinda kuna bino, voilà. Place au vendre à tout ça. Pourquoi ça? Donc il faudrait que tout mekako revoir et moi je m'adresse beaucoup plus na ba responsable il y a UDPS bon mekako conscientiser bino ba responsable il y a ba parti il y a ba district bon mekako conscientiser non ba membre na bino na comportement là ba tika c'est du banditisme. Oh bango bazo sala bazo honorer chef de l'État té chef bino bazo ko ko défendre na désordre bon. Excusez, bozo salir image naïe devant battre. Bozo l'axa que azo drainer foule mo bazo soutenir mais foule ya ba bandi. Voilà, c'est ça. Il est le président qui a parler voilà taxer les combattants de la diaspora abenga bango ba combattre ba le président de l'actuel président de la République aux là bas image on avait les combats abenga bango ba combattre ba maintenant bino ba combattant ya UDP sont soutenir Fachi exemple ni bozo la différence entre bino na bato ya benga ba combattre ba ya ba diaspora donc bon look un peu ko changer manière na bino bon ba ko se comporter bon c'est un peu ba menace on a accepté le critique ni sous la négative des critique monsieur sous ya pour faire réfléchir yo ah c'est ba bozo le belo ko wana mingi c'est qu'il y a un ça ne va pas comment est-ce qu'on peut améliorer la chose pour que mutu nyo so a se retrouver attends que tout monde soit satisfait parce qu'on peut pas satisfaire tout le monde voilà. Mais au moins toi ba ko améliorer notre travail de telle sorte que Batubaza a moins d'arguments et qu'on peut critiquer Bissot. Voilà, voilà le message que je peux dire. Merci beaucoup Pamela. Vraiment, tu as aussi la tolérance dans mon mounion. Parce qu'aujourd'hui, il est président de la République. Il n'est pas seulement le président de la UDPS, il est président de la Congo tout entier. Donc, vous devez au moins que tu sois libre et que tu sois moni malam, tu mabe. Pour la présidente de la République. Alors Pamela, parlons aussi des Likamotu Kouinvokan. C'est très très important pour Macron. Toujours exemple que nous, aujourd'hui, Félix Tshisekedi d'Alinga Sala et Lokomo boy exemple attend à Kitambo magasin ah ou soit attend na boulevard aye ape sa batumote un militant une personne à s'approcher na pena beti Félix Tshisekedi mata pena makasi mon soit qui na Congo ah et nga souke la ndenge ni oh wala kouté ça on tire sur place hein. Voilà wala kouté ça on le battait parce que toi ebi suite. Parce que je me rappelle, je ne sais pas ce que c'est qu'une rumeur, parce que je n'ai pas eu le temps à revérifier l'information. Je me rappelle, c'était, je ne sais pas, je peux me tromper de nom, mais il s'agissait d'un monsieur, un certain Armand Tungulu, voilà. Soi-disant à Bambara Libanga, à cortège à Joseph Kabila. Le monsieur, je pense qu'il est mort depuis un moment. Bon, Liwana est peu, bon, on n'a rien compris. Il y a Armand Tungulu a Koufa, plutôt à Bambara Libanga, à cortège à Kabila. Donc, c'est pour dire à quel point. N'Afrique awa osé une telle chose et ça crime moko mais parce que torturer voilà en Afrique on vit une dictature qui ne se montre pas comme ça mais ça se vit en coulisses bah qu'on liquide mais d'une façon je ne sais pas quoi on a trouvé l'agent de sécurité il y a Macron bah qui oui bah balongo lié bah attends bah kokangaï mais dis-moi bah kokangaï n'est pas bon normal voilà bah qu'on respecte d'abord en tant que humain as un citoyen voilà oui bah qu'on condamne acte ce qui est différent dans les gens qui sont traités parfois certaines personnes vont commettre des actes mais sous en Afrique voilà qu'on a pas au Kangaï à subir peine naïe peut-être bah monde naïe à quoi foutre à ce casan à Rosala à mériter moins respect moins dignité il va pousser aussi ces gens et dire moi tout à fait. Peut-être même que le président Macron pas corolle bah que bon ça va je le pardonne Botika et voilà ce qui n'est pas faisable ici en Afrique avec nos présidents africains si bien que bon il donne une certaine image il y a Bango mais en réalité quelqu'un qui peut oser faire une telle chose toi suite ce qui coûte bateau bah on a discours à pas malobi qu'elle au moment critique quelque temps après Mutuana a koufi bon qui garo a salaki malaise poison bah laisse voilà. Bon accueilli et bon Mutu a osé qu'on lever la main sur un président africain, mais ça la grave. Son sort, quoi. Voilà, merci beaucoup Pamela. Nous sommes déjà dans la chose parce que aujourd'hui, na sala qui n'a bien accueilli vraiment parce que Makambo et les Kanambo Kao Pamela, je te dis, ça fait mal. Ça fait maman na biso oyo ba jeune au toza ko lukato s'en sortir un jour na vie, mais tout le monde ba tout oyo ba bima déjà liboso na biso Makambo bazo ko sala. Vous êtes déjà au courant par rapport à Makambo et zo les cas. Il y a ba carte Visa aux ali bazali ko so ba $50,000. Il y a des à l'État, mais il y a des gouvernement, il y a des postes. Mais nous avons dit que 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 nous avons dit que
mai ezalaka ebimaka soute biso na bangalie ma haute ba soute ba mai soke bimaka courant ezala lelo bozu courant lobi seke bozoate mais ezala ba mbongo ya bele so kine na ba poche ya batu ino ezaki kukune na kesi ya ya l'état akoma kamwa lolenge wana pamila itant que déjà congolaise oyozali okosa l'analyse nini. Vraiment, ils ont pas si, hein, ils ont pas si parce que ça fait très mal. Surtout, n'engue un exemple où tu copies ça. Tant aux autres, on attend déjà à partir et pas n'ayons mon constaté, bah, bilor, on se souza, n'en goûte, on a minimum. Voilà. Un être humain, à quoi ça n'en goûte, on a goûte. Ok. Et le roi maille courant, aux autres, on a y'en goûte déjà. Donc, pour ce qu'on a commis problème. Hein, pour bimananzela au coma à destination donc si vous avez un rendez-vous à 8h il faut bimananda qu'on ait 4h du matin parce que il y a pas de route où ça que qu'on facilite accès facilement pour que coma à destination c'est compliqué voilà donc pendant ce temps il y a des gens oyo donc à ça sans effort avant d'y naier et puis chaque mois bah mieux ils ont coté nango sans effort ils ont coté nango na caisse à l'état mais mais motema wana batu bazalaka nango o ya ko sala babiloko wana moi je sais pas comment est-ce que ces gens-là arrivent à survivre aux oliana opposo mais là tranquillement en regardant tes frères et sœurs congolais en train de souffrir pendant que yo ozo amasser des richesses comme ça voilà. Sans rien faire mais eza vraiment passé mais en même temps aussi il faut te réfléchir na système politique na biso parce que likambutan oyaka il faut toye bara toujours kota la likambu na source avant qu'on sala voilà. Qu'on a ressa la analyse il y a bien il y a problème il faut donc même likambu na on a source na source na no outil na no nini et outil wapi poti comme na niveau oyo voilà et tant to beta likambu source directement to mona la tête c'est vrai que batuana bazali source na pouvoir ti mais ce qui y a toujours le même système aux sala que batuana ba continue aka qu'on amasse autant de richesses, c'est que circuit wana, na katia circuit wana, il y a aussi des gens qui sont au pouvoir, au bamoni que bango pe bazo gagner na katia, il y a ngoba bazo tika circuit wana voilà, okay. Bazo tika circuit wana fonctionner, parce que moi je ne peux pas comprendre que l'argent du pays, l'argent de l'État, ezo kite, ezo kene na ba virement moko bo sans que ba responsable ya ba fonction wana, o baza sur place, o baza censé koye ba que ah, tout ça qui n'a somme boyé, autant écueilli, ils allaient virer parce que justification. Moi, j'ai fait les études, j'ai fait la salle humanité technique commerciale. Okay. Donc, bah, virement bancaire et tout ça, justification, ils allaient toujours. Chaque dépense qu'ils ont effectuée dans cette entreprise, justification, ils allaient toujours. Il faut y ébana. Parce que dans cette bilan, il faut justifier yango, que nous avions autant na période boyé. Mais tu as la dépense et salami ou et qui n'a pas bateau et surtout quand tu es allié à l'état voilà bateau et gérer à cas gérer structure on a les lots comment est-ce qu'ils ne sont pas en mesure y'a quoi y'a que tous à la qui n'a font boyer chaque mois et qu'il n'a pas boyer et qu'il n'a sans aucune justification cela veut dire que même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou et bazo gérer chaîne wana mobimba wana y'a transaction wana voilà yébi. Ils ont quelque chose à gagner dedans. Voilà pourquoi circuit on les a continué. Donc on peut condamner les personnes qui continuent de faire ça parce que ils ont déjà circuit Moroza cop déjà c'est fou moi Maki. Mais les lots ont été condamnés car Bango Moroza ont été condamnés même ceux qui sont là sur place. Comment est-ce que eux n'ont pas pu qu'on remarquer chez nous on a escroquerie on les a salama pour que bah arrêter yango. Donc et qu'on dit mais là na ba souche moko boyé na ba ndenge moko boyé pour que vérité ya makambuana et akoyé bana lelo. Pendant ce temps bateau basala kawana ils n'ont pas été en mesure maintenant tant que qui peut remonter dans le bas sous le camp bas sous tout le monde appelle la tête voilà à la tête de notre pays le vol le détournement d'argent et où ezara le petit peuple était ou bien au parce qu'à travailler dans le gouvernement et puis azawana les sous tout ça il n'y a qu'en Afrique particulièrement pour parler du cas de la RDC où tout le monde aura que dans un pays démocratique on ne connaît même pas le salaire du président de la République. Vraiment, c'est étonnant. On ne connaît pas son salaire. Il y a un député Toyebi, Il y a un député Toyebi. Bon, parfois, peu, bon, si tu as une prime, on ne comprend rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font pour ne pas mériter la prime? Parfois, même, on déclare que c'est un pour quel travail? Quel travail? Parfois, ceux qui ont parlé, même sur une ou deux fois, au petit table, ils ont une députation pendant au moins 10 ans à la carte député. Ils ont proposé une mention de mon côté. Mais les gens sont sans pitié.
Mais non, dans un pays aussi démocratique, on ne connaît pas le salaire du président. Mmh. Il y a, actuellement, on a un sénateur à vie. Voilà. Donc les salaires, soit disait comment ils ont la valeur, sont colossales. Oh, parfois, sont dans autant à somme, on a, bon, en fait, j'ai déjà de la chair de poule. Tellement que c'est énervant. Voilà. Donc chaque mois, il y a, en termes de millions de dollars, millions de dollars. À Zouakango chaque mois. Pendant qu'il va enseignant, voilà. Pendant qu'il va docteur, ils sont payés. Ils vivent dans des conditions bizarres. Nos militaires, ils voilà. Sont impayé parce que au front de la mission na front kuna bazana na salaire ya malonga te ba famille na bango bazo bénéficier na ba salaire ya malonga te mais des gens comme ça bazo gagner na bango aussi facilement donc c'est vraiment pénible donc, parce que ce matin on vient même de dire que non sur il paraît que non sur 100 non il y a batu oyo ba mona ki na liste wana ba désactiver na lukaka 30 officiellement ba auto lo bango lelo que non ba désactiver na lukaka 30 ba désactiver les autres ba lukana ningi na ko désactiver bango est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Cela veut dire qu'il y a même ceux qui sont là encore sur place, qui sont au pouvoir, qui connaissent un peu ces systèmes. Voilà. Il y a un système où on a qui non, bon, tout petit canal, nous, de façon que nous, on ne peut pas gagner les temps. Et puis, il y a certaines personnes qui disent que non, comme on a bien touché, il faut que le canal y a épargné, on a un circuit, pourtant, il faut éclater, on a combo, on a bimaté, on a géré, on a parce que Aza, Intel, il y a Intel. Bon, on a déjà bien touchable et tout ça. Dans ces pays, on a tout ça. Aujourd'hui, en Afrique, pas seulement aujourd'hui, mais en Afrique, il n'y a qu'en Afrique où on voit que dès que quelqu'un est nommé ministre, président ou quoi que ce soit, directement au moment où espace où on a boyé barézaga ya nini wana, à son bangot. Voilà. Actuellement, comme on a un président qu'on connaît, qui a vécu à Limété, aujourd'hui on a des rumeurs. Et au espace où on a 7e rue. Il y a un tassombango. Voilà. Oui, mais c'est pas sur la route de la Fongoli, ce qui supermarché, mon besoin à Combo, il y a soi-disant, mais il y a Libanais, mais en fait, le vrai propriétaire, c'est Intel. C'est la madame, première dame Intel. Voilà. Il y a monsieur petit frère, il y a président Intel. Donc, il n'y a qu'en Afrique où on voit des choses comme ça. Ce qui veut dire que. Corruption, c'est à tous les niveaux. De fait, tout le monde depuis la tête. Parce que, bambon, on a un peu de temps, en si peu de temps, comment? Par quel moyen? Déjà que leur salaire, on ne maîtrise pas leur salaire. Donc, bambon, tout le monde a un immeuble, on a une concession, on a un cercle, on a un cercle, on a un cercle, on a un cercle. Pendant que tout le monde a deux mois, trois mois de gouvernement en place, tout le monde a un changement. Donc, nous sommes en gouvernement warrior. Deux mois déjà, bilan a vraiment, c'est pénible, c'est triste. C'est regrettable, Pamela. Merci beaucoup. Alors, nous continuons avec notre émission. Pamela, il y a aussi une autre chose officiellement. Ministre Santé à l'ECA qui pour l'obake non vraiment bah hôpitaux a inondé bambe toutou ils a déjà plein batou bazali na bambe touana bazara na ba corona donc moi mon sous sur à traiter sous batou ça sous dedans il faut maintenant que l'ouka manière nini à couper ça les sous sous ba mesure moi ça la plus dure qu'avant parce que troisième vague ayez la pression ma casse collée la première la deuxième alors qu'est-ce que vous faites comme analyse par rapport à la troisième vague oyeye mais tout le monde a kongola zo tambola na yeka ka tout le monde na tchangu kuna ba ba tu bambouteillage ka ya batuka ezo zalaka qu'est-ce que vous faites comme analyse? Moi je pense que à ce niveau il faudrait que autorité na biso si ils veulent que les gens la population en général base wa bango au sérieux ils doivent commencer par se prendre eux-mêmes au sérieux. Quand nous sommes, en fait, moi, je ne comprends même pas à quel moment nous sommes passés de la deuxième à la troisième vague. En fait, je ne comprends rien. Parce que nous avons des scientifiques dans ces pays. Oh, il faut passer à la moussala, il faut savoir que non, première vague, c'est là qui peut parce que. Il n'y a pas de chiffres. Et puis, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de choses, tout ça. Voilà. Tout ça, on ne sait pas. Parce que ça, c'est un circuit, il faut que tu collaborer avec tout le monde, il faut du domaine pour expliquer certaines choses. Tu ne seras pas informé. Au début, il y a vague, il y a coronavirus, il y a que les symptômes, il y a la toux, la fièvre. Les lobes, il y a des choses, il y a malaise, à koufi, il y a corona. Donc, corona, il y a le sous-cosso-cosso. Alors pourquoi vous allez faire un cash? Voilà. Les gens ne toussent plus. Mais au moment où ils ont dit, avant de faire tout ça, ça a été malaise. Donc, crise cardiaque. Pour balobi actuellement, corona, ils ont muté. Ils ont muté. C'est-à-dire que
ils ont changé ma forme. Alors, forme, c'est que kosu et ça y a fièvre, après on sait que corona fièvre nous a un degré à l'icolo tout ça. Voilà. Mais échanger qui est buté qui est comme quoi attaquer kaba organe. Donc ce que côté soit que na poumon, ça dit embolie pulmonaire ou bien crise cardiaque ou bien hématie na cerveau, ça dit AVC ischémique. Les gens AVC bien AVC ischémique ou bien ça dit on a AVC ou bien est entraîné en bas mon aliwa. Les gens n'ont même pas été au courant il y a mutation là parce que les scientifiques de ces pays n'ont pas le temps de passer à la télévision de sensibiliser les gens voilà. Que coronés en sous quoi la sur mon dans son sur la tika ils a sur continuer mais seule manière peut gars ils ont un thermoflash kakande ya on kande tika lika ramen ça quoi ba mutu na corona voilà. Donc ils a sous son sens parce que normalement le long corona on peut ça sous va fièvre ba makase to yeba qui n'a produit la vague et comme quoi attaquer directement ba organe mais les gens ne sont pas informés pourquoi parce que les autorités qui sont censées donner la bonne information aux gens ne font pas leur travail donc toujours sous tout cas aucune rumeur mot troisième vague après mon ministre de la santé aya lekani voilà. Ou bien le docteur Mouyembe aya alobi oyaye bon ne regipe Jérôme Mounyangi donc c'est grave. On dirait, comme le roi album. Voilà. Donc, album troisième vague. Allez, épaisse la troisième volume. Troisième volume, quoi, Bini. Voilà. Mouniangi, oh, y a qui pour la qui sa corona. Bah, détourner, à comment ce qui n'a ni ce qui n'a pas compris. Bah, bébé, bah, Mouyembe. Donc, bébé, bah, Mouyembe. Allez, yépe, Mouniangi, à zope cop, n'a comment ça, maramna. Bon, on comprend plus rien. Et puis, le gars, à Zelaka, son album à Sikéi, ce qu'on troisième volume, voilà. Y a coroné. Il faut pas consulter sous. Tu comment y'a Mouniangi, pas y'a na vocal naïe. Voilà. A tchepe vocal, Mouyembe, pas y'a tchepe vocal naïe. Donc, ça, c'est blaguer avec la population. Ce sont des autorités qui ne se prennent pas au sérieux. Comment est-ce que vous voulez que la population se prenne au sérieux? L'Ikambouya couvre-feu, c'était pour la. Ma couvre-feu, c'est pour la corona. Il y a mis ce couvre-feu comment? La journée, on est entassé, tous ont la transport, tous ont finana, n'a pas ouvert par-ci par-là, il y a aucune mesure. Donc tous les lacas 21h, 22h, on a coroné, et puis ça, l'autorité n'a mis sur la santé que il y a bima, à la mouka à 22h. Tant abandonne la mouka avant à 21h, tant bah pousse la médecin à 22h, donc coroné et puis si bah que normalement la mouka à 22h. Mais ce sont des gens qui prennent des mesures pas sérieuses. Maintenant, vous voulez que la population vous prenne au sérieux avec des choses comme ça. Donc, il faudrait que tout changer un peu de manière, surtout c'est prendre nous-mêmes au sérieux. Maintenant, avec des choses comme ça, mais quelqu'un qui regarde des choses comme ça, qui fait des analyses, il y a Marambo et Zolé Kawana. Alors, vous avez une autorité au sérieux. Mais les mesures sont prises maintenant là. Les alliés déjà, il y a un rassemblement à plus de 20 personnes, mais les églises restent toujours ouvertes. Les écoles également restent toujours ouvertes, mais rassemblement à plus de 20 personnes, bah, zoboye. Mais bah, école, bah, église, ils sont toujours ouvertes. Et bah, école, bah, église, on a, on a moins de 20 personnes. C'est ce que je me pose comme question. Et puis, avec gratuité, il y a enseignement, c'est la bise, bah, bah, comment la bah, salle de classe, c'est ce qui combien. Bon, je ne sais pas quelle mesure, bah, on a quatre salle de classe, wana. Bon, au fait. Est-ce qu'ils protègent nos enfants ou pas? Si réellement la, cette maladie existe, est-ce que Banaba vous allez la protéger ou pas? Ils ne seront pas protégés. Cache nezo pour ego et bané ko ezaki pour na tout. Soyez muta kosoli, bani ni wana mo ba déché à salive wana ko zoa et ko zoa muninga ne pesi au malade. Le lo coronesa sou ya kosu kosu de expliquer aux gens ba mutation nezo sa la mandenge ni pour que ba tu ba comprendre. Aujourd'hui les gens ne peuvent plus porter ba cache ne parce que kosu kosu ya coronesa sou souté. Coronesa est muté comme une forme. Mais il n'y a aucun scientifique pour pouvoir expliquer ce genre de choses. Donc nos enfants seront exposés parce que tu es muté. M. Sous est muté et comme un système que ce qu'on a touché au mouki et au kozoyo. Et ça, il y a kosu kosu. Comment les gens sauront que troisième vague, ça la maboye, mutation, ça boye. Les gens ne sont pas informés. Et nos enfants seront exposés dans les écoles. Voilà. Ils peuvent facilement. En fait, ma mesure yango, bazo le baké troisième vague, elle est plus virulente, elle est plus grave et tout ça. Mais quelles sont les mesures au bino bossi bozoa qui déjà avant la deuxième vague est qui sérieuse et puis bah mesure nino bozoa bobi que bah regroupement il y a plus de 20 personnes et ça la malice sous mais na école vous allez laisser plus de 20 élèves à l'église, na dans église, les églises n'en parlons même pas. En fait, ça, c'est pas sérieux du tout. Donc, laissez carrément les gens libres parce que c'est pas sérieux. Soit changez vos méthodes, changez votre manière de travailler, de faire les choses, de présenter la chose. Parce que, oh, et commis aventure, et commis vraiment bas. Toujours comprendre sous terre, oh, y a l'obinengue na, l'obinengue na. Et dans tout ça, responsabilité, on est allé qu'aux gens à Mingmi, Pekan, à l'église. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de notre mission, que non, bah, pasteur, bah, on bah, ça vraiment, bah, tout, oh, yo. Makamususu tango ba moniyé, il faut battre les métaux qui ba sali na Nzambe, il faut battre les métaux qui ba bateli ba pate pour que non ba mekampé ko mettre un peu de l'ordre parce que ba lo ba Nzambe za likolo
l'État en a assez. Alors, nous avons baissé la facilité de travailler mal à mort dans l'État. Alors, pas mélanger, s'il faudra parler des églises, s'il faudra parler de pasteurs, quel est l'apport de l'église en RDC par rapport à Makamu, vous allez coller politique, social, santé, tout. Quel est l'apport aux églises et même soit et contribuer en amour en Abisso Congo? Bon, et le qu'on a le barango ming, c'est vrai que ça va fâcher certaines personnes, mais toza batuto ça l'air un peu. C'est vrai que moi je respecte chacun na foi naïe, ok, na respecter maintenant moto. Tu crois en Dieu tant qu'on est bien, tozoyo kana bien tout ça, mon amour sa vie naïe, ouais, c'est pas mon problème. Mais en même temps, si moi je ne crois pas en Dieu, je suis dans mes choses, tant que je ne porte pas atteinte physique et pas naïo, tant que non salom abé mon côté, bon, chacun vit pour soi et tout ça. Mais seulement, s'il faut qu'on analyse certaines choses, surtout la responsabilité en tant que les hommes de Dieu, moi, ceux qui se disent être des hommes de Dieu, voilà. En tout cas, nous avons un apport na bangote depuis l'histoire, hein, parce que nous avons toujours, à chaque discussion, nous avons toujours, origine. C'est-à-dire que, si tu as une musique, tu as une musique, parce que la RDC, c'est vrai que la RDC, c'est un pays laïque, hein, et toutes les religions sont admises et tout ça, mais la religion dominante en RDC, c'est la religion chrétienne. Voilà. Tambola na yo, mbayo kisa makaso ni te ayae. Mbatela yo motema, mbakutisa mate na mabwa kwa monguna. Kasi na nyango, ayana milelo na ye, azonga na milelo na ye, ezalate. Mosiko inanga. Mais en même temps, si moi je ne crois pas en Dieu, je suis dans mes choses, tant que je ne porte pas atteinte physique et pas naïo, tant que non salom abé mon côté, bon, chacun vit pour soi et tout ça. Mais seulement, s'il faut qu'on analyse certaines choses, surtout la responsabilité en tant que les hommes de Dieu, moi, ceux qui se disent être des hommes de Dieu, voilà. En tout cas, nous avons un apport na bangote depuis l'histoire, hein, parce que nous avons toujours, à chaque discussion, nous avons toujours, à partir de l'origine.
C'est-à-dire que soto outil nango na musika to remango parce que la RDC c'est vrai que la RDC c'est un pays laïque. Hein, et toutes les religions sont admises et tout ça. Mais la religion dominante en RDC c'est la religion chrétienne. Voilà. Et cette religion donc le christianisme depuis qu'elle est venue en Afrique n'a pas aidé l'Afrique à s'émanciper, n'a pas aidé l'Afrique à se développer. Lelo côté ya nzambe comment nango business et comment commerce, ce qui fait que et quand on s'abisse de temps dans un monde que ba pasteur et belé ba comment la bande derrière des politiciens. Il y a certains pasteurs ont des grands pasteurs de renom na mboka oyoyo exact, ils ne peuvent même plus passer à la télé pour parler parce que ça le sous république ya moto bango ba bande ko soutenir té bango pe ba côté na bazela ka mon enveloppe na bango uta nango kinga kati bazela ra ya na mo ba relation na bango ba tonga tonga ko na gouvernement et outil ko le que ça sous na pouvoir té ba o pe baza pour l'actuel gouvernement bon on aime tout bas au vimba na siko autres hommes on a le pasteur par exemple le pasteur Mukuna voilà. Il a abandonné carrément sa mission en tant que pasteur à comme a dit n'est politicien comme qu'on analyse politique de l'église analyse y a politique y a critiqué qu'à l'ex président mais est-ce que makambo ba osala wana parce que bango va se référer à quand la Bible makambo ba osala wana qui est quand ou quand est-ce que c'est biblique. Et ça, biblique, t'es, à moins que nous ayons une ignorance, nous ayons une Bible qui est bonne et comment nous avons une Bible. Tout ce qui est dans le monde, c'est la Bible que deux serviteurs de Dieu ont soutenu le roi, ont soutenu ce qui est empereur, ce qui est pharaon, tout ça. Tout ce qui est dans le monde, c'est la Bible. Tout ce monde, c'est la Bible. Ah, en RDC ou bien en Afrique, c'est la Bible. Église, église, et même et le côté. Plutôt, et qu'enrichir. Bah responsable y a bah religion wana et qu'on enrichit bah responsable y a bah mangomba wana bah donc ça l'ango pour intérêt na bango y a moi le long la roman préféré na landa nanga si j'ai besoin de me distraire avec ces gens là qui se disent être des serviteurs de Dieu na tienne nanga bah image y a pas comme ah bon il s'appelle prophète Denis Lessi voilà. Yo kananga bah dinas c'est kananga y oh c'est combien athée yo athée yanga athée y a roman non c'est que ça bise soit roman non ça bah comédie na yé bah délire na yé bon il raconte. C'est bien que Azo sait qui ça, en même temps il dit certaines choses là que ça image y a ba pasteur wana parce que il a eu le courage la vérité que to liambongo atanga na ba combo oui. Ba pasteur to zala ki na bango apesa biso ba enveloppe to liambongo ya kabila mutu moko ta kosa yo ngai pasteur intel to liambongo. Ce qui montre que ces gens là ne sont pas réellement là pour na ko aider peuple pour na ko sunga mboka na biso kende liboso. Quel est leur message au même rapport à Mboka? Même à tel le lot comme Sukoyo, vague peu moussou ya sikaka na cadre pour bon soit ba serviteur de Dieu. Mais ba kabona ba catégorie moussou kuna za pasteur, oh kuna apôtre, oh kuna prophète. Voilà. Nouvelle vague peu ya ba prophète yé. Bon bosa ba prophète, mais est-ce que et loko nini ya malamo bino bozo prophétiser pour na Mboka, pour na devenir meilleur ou bien nzambo azo la sabino directive ni na zo pe sabino. Le lot comme na ba vague ba tozagi na mo, ceux qui bazo benga zo écran, ceux qui écran prophétique. Yo prophète spectacle yo moni ensemble avec na TV ozui ba papier au simbi bobimi si moto moto et comme on va démonstrer ton moto za ba mike ba edingwe aye na ya matina ring asali spectacle na ye ba bengi prophète il est passé et puis ba ya ba ou mela raté aye asali spectacle l'homme so ba ndeko bimisa ba mbongo na ba sambe tu mbongo na kata Thompson soki nani akenda wapi. Oye na ba prophétie na yo nzamba zo sale la oza na nguya tu veux aider le peuple de Dieu. Le peuple congolais est en train de souffrir. Bon, il y a des problèmes au peuple bazana ngo. Solution na minute le kozo stressé ba le roi likamba corona exact. Bino bo sambela ra nzamba ngo bo solo la rana ye. Bon, et le roi na zeb sabino remède ni na sa proposer bino. Nada. Ezarara, Dieu m'a dit okobala. Mais d'ailleurs, pour la spiritualité Pamela na ko compléter pour la spiritualité, aujourd'hui le prophète bazoi c'est parce que non par rapport à la spiritualité, un prophète ou bengami pesa prophète. On les ali prophète Joël Francis à Lobaki yango. Que non na spiritualité a ko ki ko faire déplacer et loko ezala ki na ndaku. Ngana kene na arabe na spiritualité na kene na zuyango pe na yenango tout comme pe nga prophète na za vraiment la spiritualité yo moi so za na zemi na ku pe ko longola zemi wana libumu na yo après quelques temps pe na zongisi yango ce que makambo o pe ba corona o baza pe na idée moko ya ko sala sur yango alors voilà donc ceux qui baza na pouvoir ya ko sala ba biloko ya bongo donc c'est que à quoi kendeka rababi lelo wa ko bia suma solo ya troisième vague ba hôpital et ba hôpital et tondi na ba malade ya troisième vague donc bango ba prophète on a so bozana nguya wana bino mtu bo solo la kana nzambe botonda na nguya
mais bon qu'un des cas bah vrai malade basali mais dans la spiritualité ça c'est bon dans la spiritualité un prophète monto à ça pénal y a un zambé à cause de la biloko on a qu'on fait déplacer zemina libumoya il y a moi si c'est faux personne ne l'a fait. D'abord il faut te comprendre le mot prophète et outina grec prophétès, c'est-à-dire quelqu'un qui révèle, quelqu'un qui apporte une révélation. Et une révélation dans le sens où azo même un message oyo qui sort de l'ordinaire, donc un message extraordinaire. Mais non, dire aux gens onzambazo la qui s'engage que tremblement de terre et ça à Managoma, mais tremblement de terre c'est un fait normal, c'est naturel. Ça c'est pas une prophétie. Non, mais déjà ils en abattu balobaki déjà parce que prophète rôle na ezali ko loba makambu oyo et ko koma. Mais il y a un prophète à l'équipe de la télévision, lobby, qui est non, a possible pression que non dans les jours à venir. Goma et ça dans les jours à venir, l'État faut boire tout mon épée. Qui s'amuse pas maintenant. Non, wana eza le tremblement de terre, éruption volcanique, tout ça, eza ba phénomène moroza purement naturel. Donc aujourd'hui, technologie autozan ango lelo sur terre. Et quoi qui qu'on prévoir, et quoi qui qu'on prédire que et loko esalami na goma dans 2 ans et ça la malisusu à telle date précise il y a nous avons cette technologie là on n'a pas besoin de quelqu'un qui puisse venir nous dire que éruption volcanique et ça la na goma ça ce n'est pas une prophétie. Une prophétie c'est un message qui sort de l'ordinaire et ça makambo et ça to vivaka chaque jour té onzamba zo la kisanga libala na okobala ozo voyage ozo visa ça ce sont des faits naturels parce que peu importe à toi le bien onzamba la kisanga visa moko boy quelque part ce qui est sûr quelqu'un quelque part va obtenir le visa quelque part donc c'est pas une prophétie dire que un prophète a la possibilité yako de manière spirituelle à longola peut-être à bimisazé mina libumwa ce sont des mensonges. Ces gens-là ne sont pas capables de faire ça. Ou alors, ils ont d'autres moyens. Oh, ceux qui ont aussi des simba simba na bango. Ou bien, ils ont d'autres. Ils ont des techniques comme technique ils ont des techniques. Parce que le prophète est prophète ébélé, le pasteur est ébélé. Comment on vient de consulter ba nganga, ba charlatan, ba marabout. Ba l'axe à bango, ba numéro. Ça, personne ne l'ignore. Le loto, combien de fois Edingo à l'écran à télé était pour nous dire que si je pouvais citer de nom, voilà, il y a une consultation, pas dans la paix, ça va numéro. Tu as un pasteur rebelle, à Zoko, il s'abat une église, mais dans le numéro, il y a Edingo. Tu as coup de tête, il y a Moussika Moutoukouna, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que ces gens-là disent avoir la puissance de Dieu, mais qu'il y a une église, il y a un herbe, il y a là-bas. Au moins, que un ministre, un président de la République, une église, wana, attends un pasteur, à boire un mouchoir, une veste, à boire un gouya, et quoi, il s'est arrêté, tout le monde a pambala, tout le monde a zangatina. Non, au moins, un député, à zangatina, l'église, à quoi. Voilà. Donc, il y a Saint-Esprit à Ponaka. Et puis, interprète à pasteur, il y a quoi, il y a rajouté. Non, moutou, à zobet à sainté pour accompagner ma prière à pasteur, non, moutou, à zo filmer image. Non, moutou, à zo filmer, bon, bah, quoi, il y a rajouté. Donc, Saint-Esprit est pour Napenza. Mais il y a quoi qui Saint-Esprit en désordre. Mais il y a qui est sous sous, bah, protocole, bah, à peine à TV. Un Saint-Esprit qui choisit, ce qui montre que c'est un théâtre. Mais seulement les gens sont tellement dans l'ignorance qu'ils se laissent faire, qui se laissent avoir par des personnes qui viennent leur raconter ce genre de choses. Que Moutoumoro Boyake a Congoli ba numéro naye moi ba technique naye il passe à la télé il dit des choses ngapena kolobano. Aujourd'hui je peux te donner un exemple. Je me rappelle récemment il y a pas quelques mois en tout cas ou bien peut-être j'ai oublié mais naye savoir que non il faudrait que ba émission tout ça la rango et ça un peu bilingue le baraming français pour aider parce que je suis très suivi par ivoirien le gabonais tout ça ils aiment beaucoup me suivre donc il faut de temps en temps moi française à la ramon mingi peut permettre à bango ba comprendre. Lelo yo il y a un pasteur ivoirien il s'est dit pasteur bon en fait c'est grand la zongue le roi Denis Lesi Lelo hein c'est, voilà. Moi je trouve que c'est un gangster. Alors, il s'appelle prophète Makoso c'est pas pasteur Makoso ivoirien oh il a ramassé dossier il a fallu na bassiné mi balé à commission dossier là on montre ça on sait on analyse yo en Côte d'Ivoire mais maman peut parler balingala comment tu les comprends. Bon, c'est quelqu'un. Bazar en aligné, moi, qu'on a un pasteur, tout le monde a l'élo. Comment la bango derrière des gens, ils sont là pour se faire un nom, pour se faire connaître. Comment on a un pasteur? Pasteur a un buzz. Voilà. On a bien un pasteur 2.0. Donc, c'est-à-dire, pasteur a un buzz. Allez, quand on a télé, à ça, la numéro, moi, boy, à se faire voir. Pour bon, voilà. Il veut se faire un nom. Et puis, toi, pour toi, Congolais, la diaspora, bien, Africain, Bazar, va vivre en Liban, 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 va vivre en Li
adresser bango et salé moi bien un moment de CP CP lycée bon pesanga bon pesanga numéro na yazi numéro à bois qui moi western moi ni ni salé bango moi genre donc bango basa ba pasteur et ba buzz ba pasteur 2.0 le gars mais malgré na ba critique na qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que vous, les Congolais, il a carrément insulté les Congolais, en dehors de tout ce qu'il a dit par rapport aux Congolais, mais il a dit quelque chose, moi j'ai dit que c'est quand même intéressant, parce qu'il y a parfois des choses que nous disons, et ça très capital, et ça que même un Ivoirien peut en bénéficier, en termes de conseils, en termes de sagesse et tout ça. Mais dès que nous avons la linga là, ils ont permettre été à comprendre. Donc je souffre parfois mes amis ivoiriens quand ils suivent des émissions. Ah Pamela regarde là où il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Explique-moi un peu toi qui comprends le lingala. Mm-hmm. Donc je dois faire des traductions et tout ça. Ça rend la tâche un peu plus difficile pour moi aussi parce que des fois je n'ai pas le temps et tout ça. Il faut expliquer expliquer. Or ça donc comme qu'on m'appelle moi ben émission la bise dans moi dimension mon robot. Il y a comme ça là moi de manière bilingue. Pour que Batmio se bat comprendre message donc n'accolo bapé que on a sala kio constat on a pour la mission la mission est à l'arabo on a sala kio avant que Makoso à le bord alors on va bien la prophétiser qui mais Makoso a pas sa mission en fait parce que les gens ne comprennent même pas le vrai sens de la prophétie ils savent pas c'est quoi une prophétie ce qui fait que n'importe qui a la mukine na tongo aye na ye actuellement to ou d'agir na vague moko il y a pas comment il s'appelle le prophète à quoi ma prophète on aura tout vu dans ce pays. Il était évangéliste, évangéliste et pasteur, pasteur le là comme un prophète. Le vieux que je l'aime bien, Roger Baka. Roger Baka. Je l'aime bien parce que. Il est évangéliste. Azara évangéliste. Il devient évangéliste. Mais Azara a quand même une prophétie. Oui, hein, oui. Hein. Bon, d'accord. Mais je l'aime bien, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il connaît la Bible, j'aime sa façon de parler, tout ça. J'ai déjà eu à échanger sur un même plateau avec lui, tout ça. On s'aime bien quand on se voit dans la rue, on se salue et tout ça. Parce que bon, bah, divergence, ce n'est pas ce qui peut faire en sorte que tout comme un ennemi voilà. Il, à un moment donné, c'était lui, hein, à chaque fois, c'était lui. Hey, Roger Baka prenait ceci. Roger Baka, le Bible, le Congolais, le Baba, quitté la zone. Moi, aujourd'hui, je me pose la question. Ce Congolais, on a Yaki. Dans la condition où tu vivre à Awa. Moi, j'ai une soeur qui revient de l'Europe, elle est moi vacances à Awa. À Tambolika, une fois. Tu n'est qu'à course une fois. Une fois. Abino bimasouté. Si nous avons un bimasouté, mais c'est pas possible. Kinshasa, c'est au koufa. Mais on ne peut pas circuler. Ça ne sert à rien. Abino rotika la nandaku. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous ? Pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibien-être.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples.
Bon, moi, je n'ai pas voulu commenter. J'ai dit simplement merci pour l'information. Je ne peux pas commenter parce que si c'est vrai, ça fait partie de son passé. Voilà. Mais moi, je martèle beaucoup plus sur ces dires. Dire que éruption volcanique est à Kanda. Parce que j'ai suivi la vidéo jusqu'à la fin. À la fin. Bon, comment est-ce qu'un Dieu peut exprimer sa colère jusqu'à tuer de pauvres innocents? Comment est-ce qu'un Dieu aussi intelligent qui voit la misère du peuple congolais a continué et loko ya bongo le lobande ko ya diagoma bakima qui na sac et vivre dans des conditions déplorables? Ouais, ouais. Mais comment un Dieu peut permettre à ce que des pauvres innocents qui n'ont rien fait, pendant que ceux qui dépouillent la République tout sur le bilan, bah miyibi yamboka, bah ça tranquille na banda ou na bango, mais ce sont des pauvres innocents comme ça qui doivent courir, qui doivent trimer comme des pauvres mendiants, bah ça sur bah na combien bah bungi. Naba parents là-bas ont requis en débandade. Moi j'ai déjà été à Goma et puis je suis à partir de Goma na Kota Rwanda en partant de Gisenyi. Je connais la route là. Autrement les vidéos ban anengi bazo kima. Je connais le chemin. Mais ça faisait très mal au cœur. Moi je dis comment un Dieu peut accepter des choses comme ça pour na kanda ya même ya kagame, même dans la Bible, même dans la Bible, Nzambe pe asilika ka na Nzambe asilika ki me. Oui, Nzambe asiliki aboma ba innocent. On ne tue pas des innocents. Je me rappelle dans une histoire de dans la Bible, Nzamba yebi si même batuna yebi bo kende bo tia basine na bandako oyo na ifona kende ko boma batu. Na basine of ya bandako ifona na épargner batu. Comme ça bato bako il faut pas bakufa ko tia basine. Dieu, on dit que Dieu est omniprésent, il est partout. Donc il voit ce qui se passe, il connaît là où se trouvent les innocents et les vrais coupables. Si tu es fâché contre Fachi, mais va faire tremblement de terre dans sa maison. Si tu es fâché contre Kagame, va là où il y a Kagame. C'est pour dire, comment toi, prophète, tu peux dire que non, il y a éruption et puis, et ça, nous avons dit que ça, Kandane, pour tuer des innocents, c'est bête. Mais Pamela, si aujourd'hui, un pasteur, un prophète passe à la télé pour vous montrer les écritures qui prouvent que non, oui, Dieu peut, à quoi il peut que soit Kandapé, à Sali, à Boumpé, bah, innocent. Là, au moins, vous serez convaincu. Déjà que moi, je ne crois pas en ces histoires de la Bible, tout ça. On a le bail que Marambois. Qu'est-ce que l'Église a apporté en RDC? Et ça, déjà, ça n'a rien. Le christianisme est venu pour détruire d'abord l'homme africain. Parce que objectif, il y a la religion, et ça, qui ne pas nous permettre de réfléchir par nous-mêmes. Tous à l'arabe irresponsable, Tovani, il y a catastrophe, nos frères sont en train de mourir là-bas. On dit, ah, Dieu va faire. Tous à l'arabe justice en Zambie, pendant que ailleurs dans d'autres pays, les gens s'élèvent. Si Moutoyo qui kanda gifle Macron, c'est que trop c'est trop. Alembi, il y a Vani Takangamabora Zelanzamba Sala. Non, ils sont pour travailler. Bon, on peut pas, je peux pas encourager la violence, mais je dis que le gars, il a du cran, il a du courage. Voilà, Pamela, nous chitons par ici. Alors, dans les débats que je vous dis l'autre fois, tout le monde a qui pasteur, bah différents pasteurs, bah différentes églises, bah qui pendant que le bas port, il y a église na RDC. La chose au SCP, c'est vraiment t'es comme on a que bah pasteur, bah on a bon bazar qu'on se contredire. Tout le monde qui bat tout l'église du Mangui, c'est Bazalaki. Tout le monde qui bat un papa Koussou, Bazalaki. Tout le monde qui bat l'église de Reveil, Bazalaki. Mais dis-moi, je suis en train de dire que c'était comme il y a papa Simon Kimbang. Bango na bango bala ko s'accuser que non bango ne ba sala mabe bala ko sala mabe mais bango so bota nga komba ya mutuma papa Simon Kimbang. De l'autre côté comme on a que non bota nga komba nzambe mais en Bible bazape peut qu'on se contredit que non bango ba catholique ne ba ya ki na boye bango ne ba na ki boye. Mais comment contradiction quand nakati ya komba ya mutuma ko zali que non papa Simon Kimbang soit na kombo auto bi que non nzambe no o serva quand même Dieu wana mais contradiction wana. Alors tout ça, ça signifie quoi? Ça signifie une seule chose. C'est que le christianisme, que ce soit toutes les religions ici en Afrique, ce n'est que du business. Voilà pourquoi maintenant, nous avons créé une entreprise. Nous avons été comme Malala, entreprise, nous avons été comme Malala. Mais l'exception de la TV, nous avons la promotion de Malala. Nous avons été comme 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 Malala. Pour les accords. Nanenga cop faut concurrence ces alanga la que yanga ndeza be pona benda ba client pona nini ba client na ba oya ba kotia mabonza yanga ndeza sala ke ngana soma mituka na soma bandaku. Le christianisme sous toutes ses formes c'est du business carrément. Les blancs qui ont emmené cette religion ici, quelqu'un qui vient pour te piller, pour t'arracher tes richesses, pour te massacrer, pour te détruire, ne peut pas t'emmener une religion qui va te sauver. Visa y a pas ma pote que n'ambo kan abongo ba opé sa mission na passe. Carrément ba opé sa té. Visa y a l'Olanda opé sa. Soka yebi que religion na pé sio et même place au bon ngoza ya libela opé so ngote. Mboka na yekuta abo opé so visa. Et comment ça batu ya église qui mbangi c'est pas là que c'est contredit entre eux. Mais c'est pareil aujourd'hui le kimbanguisme, hein, religion wana eza le soso papa Simon Kimbangu atika kité. Dès qu'il a kufaki automatiquement et comme qui business parce que
son fils, c'est lui qui a hérité de cette religion-là, le fils Diangenda qui avait hérité lorsque le papa est mort, il a collaboré avec le Belge. Mais le Belge, ce sont eux qui ont emmené le christianisme. Dès le commissaire Lekintouadi, que Simon Kimbangu avait laissé, commissaire église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. N'importe quoi. Jésus ne peut pas envoyer Kimbangu. Kimbangu, de son vivant, a démontré qu'il est même meilleur que Jésus. Il a fait des miracles que Jésus n'a pas pu faire. Simon Kimbangu est même meilleur que Jésus. Il a démontré par ses œuvres. Quand vous dites ça, il y a des personnes qui j'assume mes propos. Kimbangu a fait des choses. Jésus est mort une seule fois. On l'a cloué sur la croix, selon l'histoire. Il est ressuscité. Il est ressuscité, mais Kimbangu a été tué combien de fois? Katie Mikemge Bachina Kata Tono Babo qui n'a fleuve. Tono comme il a katikata maï et fumwami. Kimbangu a bimbatamori Nicolas Maï. Akou, Kimbangu est mort le jour où il a décidé de mourir. Il a dit aux gardes que nous avons fait le 12 octobre à 15h. À 15h précises, à Télémi Nakata prison naï. Prison à la mesure, il y a taille naï. Bachela est béton moro à la Achara Moutouboui. À Télémi a mis Betty deux fois dans deux côtes. Et puis on a l'ali à Koufi. Na Belgique ba sali fête. Ah mutaba ndo chapsoma la lesa kufi abimé la bango kuna. Il est apparu à plusieurs endroits ba sangisa sept Kimbangu boy. Ba kangi bango na plusieurs endroits. Ce que Jésus n'a pas pu faire. Ya kufi, il est ressuscité oui, abimé la ka ba disciple né. Ke abimé la ba kunyo so ba zoyo. En fait, si tu lis la vraie histoire de Kimbangu et la vraie histoire de Jésus, tu verras que Kimbangu a fait plus de ce que les gens appellent miracle. Il en a fait plus que Jésus. Il a démontré des choses que Jésus n'a pas pu faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre l'église kimbanguiste et le papa Nkoussou qui cite le nom de Kimbangu ou de Kimbangu? Aujourd'hui, c'est que la religion, à la base, elle peut être porteur d'un bon message. Mais après tant que Bakoti Simbongo Nakati, corruption et Koti. C'est que Diangenda a accepté. Le commissaire et bébé sa vision, il y a papa Naye. Et ça parce qu'il a accepté de collaborer avec le Belge. Le Belge, il y a un christianisme que Kimbangu a dit que Yesu a été colon. Il a imposé à Diangenda en lui présentant un certain nombre de biens. Il a accepté que Yesu a été colon. On lui a imposé ça. On lui a imposé ça avec Babylon. Bien matériel et tout ça. Donc ce qui fait que à la base, un message peut être bien. Mais tant que vous avez dit que l'argent est corrompu. Et ce que il y a Kati et Baby Sima Kambounos, nous avons que entre Bango tellement ils ont business. Et ça, papa Nkoussou, papa Kingandi, bon le bela Kimbangu mort, mais pourquoi Boyo Kanate? Et pourquoi il y a autant des églises? Bino bon le bela Nzambe Moko, parfois on a avenue Moko, on a 4-5 églises. Au côté de Kati, on a bafle et Makassi, mais il y a 4 personnes. Ok, na ouais, bah voisin, bah quasi personne. Mais bon, ça me donne zambé, mon robot sangana. Voilà. Merci beaucoup, bah nous arrivons à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, vous qui nous recevez de partout à travers les mondes, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous Pamela. On avait vraiment beaucoup à parler, beaucoup à dire, mais les temps, nous sommes pressés derrière les temps. Pamela, juste un dernier mot par rapport à tout ce que nous venons de dire, parce que nous sommes vraiment venus à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je tiens d'abord à te remercier pour l'opportunité que tu m'offres de pouvoir présenter mes points de vue. C'est vrai que, comme je l'avais dit au tout début ou bien au milieu de notre mission, je ne suis contre personne. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Moi, je suis athée. Je ne crois pas aux histoires d'église, Bible, Dieu et tout ça. Ce n'est pas mon truc. Toi, tu es chrétien. Je te respecte tel que tu es. Donc, de la même manière, je respecte toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Mais seulement, nous avons un cerveau avec de la matière grise que nous devons apprendre à utiliser pour ne pas croire n'importe quoi. Et pour finir, il y a une autre vague actuellement. On parle de... tu en avais parlé au début. Je suis la loi de monsieur... De monsieur Tiani, voilà. Ce n'est pas être congolais de père et de mère qui fera que tu puisses être quelqu'un de bien. Ceux qui sont en train de piller ce pays, il y a ceux qui sont... Congolais. Pour éviter l'infiltration dans le pays, il faut au moins engager les Congolais de père et de mère pour éviter l'infiltration. Ce n'est pas ça. Moi, je suis congolaise de père et de mère. Mon papa est Zombo et puis ma maman est Manyanga. En fait, je suis du Congo central. Voilà. Je suis congolaise de père et de mère, mais je n'approuve pas cela. Pourquoi? Parce que si vous prenez quelqu'un comme Macron, vous lui faites président ici en RDC.
Quelqu'un comme Macron, il peut bien voler, il peut bien prendre tout ce qu'il veut. Mais de par son éducation, il ne voudra pas voir certaines choses que nous, nos politiciens supportent de voir. Voilà. Macron ne voudra pas rouler dans des routes comme ça, voir des gens à côté qui sont en train de vendre à même le sol dans des conditions bizarres. Mmh. Il va vouloir au moins arranger. Regardez ce que nous avons fait de ce que les Belges ont laissé ici dans ces pays. Mmh. Vous voyez, les Belges sont venus, ils ont pillé notre pays, ils ont volé nos richesses, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Mais comme ils étaient quand même assis là, ils ont dit, et si Katovani, il faut quand même te bongisa yango. Biloko batonga limete zaki po kotana o kota première rue ezana porte. Voilà. O fongoli porte ya première rue. O koti. No koti. Mm-hmm. Lelo ba porte wana ezala asulte. Toko mamona ra mama bende na coin. Tout ce que le Belge a laissé ici. Lelo ba ndako eza plus dur de ba ndako ba flamand batonga. Yango bika kati lelo. Nous-mêmes Congolais de père et de mère, on est venus là. Nous sommes arrivés à la fin, Pamela. Il y a des propos de Francis Kalombo et nos frères et sœurs de Congo Central n'ont pas aimé. Mm. Francis Kalombo qui a donné un exemple en disant que non, le président congolais, qui étaient de père et de mère, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays? Il a fait l'exemple des présidents Kassavubu, que non, président Kassavubu, Asalanini, Mtazara, des papas, non, maman congolais, Asalanini. Tout le monde, quand on a vu à Congo Central, c'est un exemple, et voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en même temps, je suis du Congo Central. Je suis né Congo, je connais un peu la valeur de Kassavubu, hein, qui est quand même un grand-parent pour moi, si je peux dire ça comme ça. Mais en même temps, il ne faudrait pas toujours que tu sois trop extrémiste quand quelqu'un dit un propos. Voilà. Moi, je n'ai pas voté pour M. Félix-Antoine Tshisekedi. Mm. Je n'ai voté pour personne. Déjà, je n'ai pas voté. Tu n'as pas voté. Je n'ai pas voté. Tu n'as pas fait ton droit. Moi, non. Ton devoir plutôt. Non. Je suis, en tant que citoyen, je me suis dit, tous les candidats qui étaient là, il n'y avait pas un candidat favorable pour moi. Je n'ai voté pour personne. Mm. Mais lorsque le président a répondu en disant que ce sont les Congolais de père et de mère qui ont laissé ce pays dans cet état. Moi, je l'ai vu. Oui, c'est vrai qu'il peut avoir ses intentions, tout comme Francis Kalombo. Mais en même temps, on a vu un sens, Moussousou. Que, voilà pourquoi je dis que ce n'est pas le fait d'être Congolais de père et de mère qui peut faire que « Oh, bon, qui s'amboka, oh, oh, l'ingamboko, ko l'égabat, Moussousou. » Il y en a, Moussousou, il y a des pères et de mères. Mais, et si il y a ça, il y a une culture, il y a une culture, il y a une environnement, il y a une culture, il y a une so ok nakata au moins mais ce Koffi Olomide est un millionnaire, il n'est pas cité parmi les millionnaires, mais asa mutu moro bolinga confort moro boy. Voilà. Donc so ok ok nagi na mois de juin et pas Koffi et que ok ok ne sous na mois de septembre au moins que changement natika qui tu as comme côté kuna voilà. A changé parce que il aime toujours innover na mutu nae. Il y a toujours place avant l'environnement, ça l'a quand même. Il n'y a pas de mon côté, il m'a senti vraiment me vrai. Il n'y a pas de mon côté. Il n'y a pas d'environnement. Donc c'est un problème de culture, c'est un problème d'éducation. Donc français, quand même, on n'a pas tort, à conclure. Non. Par rapport, citer le nom de Kassavubu en disant que Kassavubu n'a rien fait, ça c'est faux. Voilà. Parce que Kassavubu a initié une démarche que moi j'ai toujours soutenue. Au départ, j'étais à Lumumba, c'est lui le héros. Mais quand j'ai étudié l'histoire de Kassavubu, j'ai compris que normalement, la démarche de Lumumba n'était pas même une bonne démarche. Ça a été infiltré. C'est vrai qu'il y avait de bonnes choses à l'intérieur. Mais Kassavubu, c'est qu'il a voulu pour ce pays. Si cela avait été respecté avec l'ABACO, donc l'association des BACO, si cela avait été respecté, dans ce pays, on parlerait un autre langage. Merci donc beaucoup. Je ne peux pas être d'accord du fait que Francis Kalombo présente Kassavubu comme quelqu'un qui n'a rien fait, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Mais au moins, le langage, disons que les Congolais de père et de mère peuvent aussi faire du mal, ça je suis d'accord. Parce que ce n'est pas l'ethnicité d'une personne, l'appartenance à une ethnie d'une personne qui fait que tu sois quelqu'un de bien. C'est les vertus que tu as, les valeurs que tu as, toi-même en tant qu'individu, qui fera que tu puisses faire tu puisses bien servir ton pays ou ne pas bien faire service ton pays. Voilà merci beaucoup Pamela, va nous revenir pour continuer notre émission. Son numéro est affiché au bas de votre petit écran et contactez Pamela si vous voulez prendre contact direct avec notre invité. Son numéro est là et notre numéro également est là. Donc contactez-nous, continuez toujours à vous abonner, maximisez vraiment vos partages de nos émissions, continuez toujours à vous abonner et ne nous zappez toujours pas, les programmes de nouvelles tendances continuent. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine, merci. Zamba yebisingai. Na fête ya kana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi sali wana, bato ba mona kite. Yamba souflingai. Bikenda na veni luka, na direction Birmani, derrière maison communale yangiringiri. Ndoko mona sali wana. Yango na ye. Po ye, nzambe ako sakate. Ponga na yebisa nzambe wana, so ako si, ngana ye. Tolo banate. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchenko met à votre disposition.
installation, une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, 5-7 chèques, très très disponible. Bien aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, ni le par ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre fête au Kendaka, il y a voisin et voisin. Ce qui est Kesinizali, il y a solo. Fait ça yoko sala moko nate yayo yakanangwao yakanangwao yakanangwao. Merci, merci.